Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale débutant. Quand on débute dans le crochetage et qu'on s'intéresse au fonctionnement d'une serrure et d'un cylindre, je vous recommande un ouvrage indispensable. C'est le manuel du serrurier volume 1. Alors restez bien attentifs, parce que je vais vous montrer dans cette vidéo quelques pages de cet excellent ouvrage de Tristan Guédel et d'Alexandre Trifot, deux personnes passionnées qui sont très connues dans le milieu du crochetage et de l'impression notamment. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages, mais c'est vraiment pour moi un outil, un ouvrage indispensable quand on commence le crochetage. Voilà, vous avez du vocabulaire, vous avez les techniques de crochetage qui sont expliquées, enfin vous avez vraiment absolument tout. Cet ouvrage-là, vous pouvez le commander directement. Je vous ai mis les liens en description, soit en format Kindle ou en format broché. D'accord ? Vous trouverez tout ça dans la description. Alors, on regarde tout de suite le sommaire. Alors, vous pouvez faire une petite pause dans la vidéo. Comme ça, vous avez votre sommaire. Donc, vous voyez, vous avez 27 chapitres en tout. Donc vous avez le fonctionnement d'une serrure standard, les composants d'un cylindre, comment démonter et remonter un cylindre, fabriquer une clé sur un cylindre démonté, création d'un cylindre d'entraînement aussi qui est très très intéressant, principe de crochetage d'une serrure, les goupilles anti-crochetage, etc., les entraîneurs, les crochets, fabriquer ses propres outils, donc ça c'est quand même relativement intéressant. Les bumkeys, l'impression de clé, voilà, c'est ultra, ultra détaillé et super intéressant. Je vous montre quelques pages. Donc, le premier chapitre. Donc là, c'est le fonctionnement d'une serrure standard. Donc, vous voyez, avec des schémas vraiment, vraiment super sympa. Regardez. Donc là, on voit tous les éléments que comporte un cylindre, les passives, les actives, les ressorts, etc. Très très bien expliqué. C'est un ouvrage qui se lit vraiment super bien. Il n'y a pas de mots savants, etc. Tout est expliqué. Vous voyez les goupilles passives, les goupilles actives, tout est expliqué. C'est vraiment, vraiment sympa. Comment démonter un cylindre. Voilà, comment retirer donc le rotor, retirer les goupilles passive, active, etc. Donc tout est expliqué. Comment remonter un cylindre avec des agrafes de remontage. Là. Donc, ça c'est intéressant également. Vous voyez, tout est vraiment expliqué. Plein de schémas. Donc vraiment, au niveau de la compréhension, c'est vraiment super intéressant. Comment regroupiller un cylindre. Comment se fabriquer une clé sur un cylindre démonté. Ça peut être intéressant également. Au lieu d'aller chez un clé minute, il faut se trouver éventuellement une ébauche. Enfin, ça se trouve assez facilement sur le net. Et puis, vous pouvez retailler votre propre clé. Donc ça peut être intéressant aussi. Création d'un cylindre d'entraînement. Ça, c'est super intéressant. Les cylindres d'entraînement, moi, je vous conseille vivement, quand vous débutez le crochetage, de commencer avec un cylindre d'entraînement. Alors, vous pouvez acheter des cylindres d'entraînement déjà tout faits dans le commerce, cylindre ou cadenas. Mais par contre, ça coûte quand même relativement cher. Je vous mets dans la description quelques liens là pour un cylindre d'entraînement et cadenas d'entraînement. Mais je vous conseille quand même vivement si vous êtes outillé, ça c'est toujours pareil, il faut un minimum d'outillage, mais de vous créer vos propres cylindres d'entraînement. C'est super intéressant à faire. Et puis, ça vous permet surtout quand vous commencez le crochetage, de visualiser un petit peu le ressenti que vous avez dans les doigts, les ressentis que vous allez avoir au travers votre pic et votre tendeur. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Création d'un cylindre d'entraînement, c'est top. Et je vous conseille vraiment de commencer comme ça, le crochetage avec un cylindre d'entraînement. Donc voilà, ça vous explique un petit peu comment créer votre propre cylindre d'entraînement. Le principe de crochetage d'une serrure également. Donc pourquoi on peut crocheter un cylindre. Donc ça vous explique en fait les défauts d'usinage, de fabrication, etc. Sans ces défauts-là, on ne pourrait pas crocheter le cylindre. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vous voyez toujours avec des schémas, de nombreux schémas, des explications claires. C'est vraiment top.
Les goupilles anti-crochetage, les différents types de goupilles anti-crochetage que vous pouvez rencontrer, bah, principalement les champignons, bobines, cératides, etc. Donc c'est intéressant de savoir reconnaître, quand on crochète un cylindre, de savoir reconnaître les goupilles anti-crochetage qu'on a dans le cylindre. Ça vous permet de progresser plus facilement dans le crochetage. Certaines goupilles anti-crochetage, comme les champignons ou les bobines, quand on arrive à les détecter, ça rend le crochetage beaucoup plus facile. Donc c'est, voilà, c'est expliqué, c'est encore une fois, c'est un ouvrage super intéressant. Donc toujours pareil, avec de nombreux schémas. Vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc les entraîneurs. Toujours, bah, comment placer un entraîneur. Essayer de trouver la bonne tension sur l'entraîneur. Alors ça, c'est pas forcément évident quand on débute le crochetage. On a toujours tendance à mettre une tension relativement trop forte sur l'entraîneur. Alors, donc on va arriver à placer peut-être une ou deux goupilles, mais après ça va être très très compliqué. Donc faut toujours, voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu dans la tension sur l'entraîneur, mais c'est vraiment c'est primordial. Si vous voulez vraiment progresser dans le crochetage, il va falloir trouver ce bon dosage. Et c'est un dosage à trouver sur tout type de cylindre, en fait, le dosage est un peu différent. Donc c'est ça qui n'est pas forcément évident à trouver. Donc voilà, il faut de nombreuses heures d'entraînement pour arriver à de bons résultats dans le crochetage et à crocheter des cylindres relativement intéressants en termes de sécurité. Donc voilà, comment placer l'entraîneur correctement avec les différents types d'entraîneurs. Voilà, avec le positionnement, etc. Donc c'est super intéressant. On parle un petit peu aussi de plug spinner à l'intérieur. Donc voilà. Tous les types de crochets qu'on peut rencontrer, les différents les râteaux, les serpents, les différents palpeurs, diamants, demi-boules, etc. Les outils de palpage les plus courants. Donc ça c'est relativement intéressant, également les outils pour les serrures radiales. Voilà, donc vous voyez. Ça c'est super intéressant, se fabriquer ses propres outils. Ben oui, effectivement, quand on débute le crochetage, eh ben, il faut du matériel, il faut des outils qui peuvent coûter relativement cher également, mais on peut se les fabriquer très simplement et avec très peu de matériel au final. Donc ça c'est intéressant. Donc il faut étoutiller un petit peu, hein, une petite meuleuse, des choses comme ça, mais voilà, ça peut être intéressant de se fabriquer ses propres outils quand on démarre. Sinon vous pouvez commander des kits tout fait, hein, dans le commerce. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens dans la description si ça vous intéresse. Un kit pour les cylindres paracentriques et un autre pour les cylindres radiales. Voilà, si ça vous intéresse, tout sera dans la description. Donc voilà, vous voyez, pour se fabriquer ses propres outils, donc c'est super intéressant. Les différentes techniques de crochetage, donc le raclage, le goupille par goupille, etc. Donc voilà, tout est expliqué. Les outils pour le palpage, les racleurs, etc. Passer le demi-tour, pourquoi le cylindre se bloque au demi-tour, tout est expliqué également. Les pistolets de crochetage, les pit guns. Ça vous explique un petit peu. Donc là, on voit par exemple un pit gun manuel avec les différentes aiguilles. Donc ça vous explique un petit peu tout le fonctionnement et le principe. Très intéressant. Ensuite, là, vous avez un pit gun électrique. Ici, vous avez un chapitre sur les bumkey, technique super intéressante. Et voilà, vous pouvez créer vos propres bumkey. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être utile sur certains cylindres. Alors, c'est pas des techniques, hein, qui fonctionnent sur tous les cylindres, mais c'est intéressant à tester. Avec les marteaux de frappe. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'impression de clé. Ça, c'est super intéressant également. Pas forcément évident. Hein. Il faut avoir des bons yeux, une bonne lime. Mais bon, on arrive à faire des choses intéressantes, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, j'ai vraiment du mal. Franchement, c'est une technique que je maîtrise pas du tout. Voilà, il y a des spécialistes, notamment
un des éditeurs de ce livre est un spécialiste de l'impression. Voilà, donc là, la technique de l'impression, super intéressante. Les clés molles. Qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant? Les méthodes de bypass aussi, très, très intéressantes. Les techniques de la radio, hein, les portes claquées qu'on connaît. Les shines sur les cadenas. Voilà. Les peignes également, technique intéressante qui ne fonctionne pas sur tout, hein, mais bon, ça fonctionne. Comment trouver la combinaison d'un cadenas à code, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très bien expliqué. Vous voyez, le sujet est vaste et résumé dans ce livre. C'est vraiment super intéressant. Donc encore une fois, voilà, c'est un ouvrage indispensable quand on veut crocheter, commencer le crochetage. Moi, c'est vrai que j'ai dévoré ce bouquin en quelques heures parce que c'est super intéressant. Et je vous le conseille vraiment, c'est un outil, un ouvrage vraiment fabuleux. Donc encore une fois, vous trouverez les liens dans la description pour voilà, vous commander ce bouquin, soit en format broché ou en format Kindle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à indiquer dans les commentaires. Si vous voulez qu'on regarde un chapitre plus en détail, je pourrais vous faire une vidéo spécialement sur l'impression ou sur n'importe quel chapitre que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on revient très vite pour d'autres vidéos spéciales débutants. Allez, ciao, à une prochaine. Bye.